mademoiselles et messieurs, c'est bien votre ami Netty. Je dis là pour un but bien spécial, c'est pour me capable annoncer nous un grand challenge que Taxi 609 lui-même l'a lancé pour journalistes li qui a travaillé dans plusieurs plateformes différentes. Et bien journalistes ça qui ça va gagner pour faire, yo a gagné pour capable présenter 4 analyses, 2 analyses positives et 2 analyses négatives. Mais juste avant, yo apprend phase négativité. Ce qui analyse pour gagner pour faire, yo pral analyser négativement parti gouvernement et puis analyser encore négativement parti de l'opposition. Mesdames, messieurs, tout de suite après, vous faites deux vidéos négatives. Vous faites deux vidéos positives. Une pour le gouvernement et une envers de l'opposition. Ben voilà, n'a mande ou kounyan la pou kapab analyser ensemble avec nous vidéo sa ou ki pral poster la sou peu. Donc rete très vératif pou kapab bay point pa ou la. M'pa prêter trop, m'pa parler trop, pa nyo di m'pa parler trop. En tout cas, mesdames, messieurs, c'était un plaisir. Votre ami fidèle, Netty. Pao! Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel pa ou la pou kap bien informé avec Yannick. A bien informé avec Yannick. Même Yannick l'en même voix, on y est, pas changé. Déjà, s'il pas un secret pour personne moun que gen bagay qui pas marcher dans le pays, maintenant, faut que nous identifions facteurs, faut que nous identifions causes. Bonne question, c'est qui a la gestion, qui a le contrôle, qui a l'administration du pays. Bien sûr, c'est le pouvoir en plein, c'est le régime PHTK. C'est au cap gérer, c'est au cap administrer le pays. Et j'en ai déjà annoncé, jeudi, c'est le lundi des bilans négatifs, côté que chaque secteur, opposition politique, a un bilan pâle, pouvoir public, a un bilan négatif pâle, à travers gestion en dedans le pays. Dans la première émission, on s'attend de tout ça qui a un rapport avec le bilan négatif, opposition politique là, qui contribue largement au regressement paysan. Maintenant, c'est le tour du pouvoir public. Nous prenons la quantité de bilan négatif qui a gagné et dans différents domaines, dans différents secteurs d'intervention, qui ça a pas fait, qui ça qui doit faire, qui ça qui a mérité fait pour permettre avancement paysan, pour permettre développement paysan. Et maintenant, 4 années de gestion et d'administration financière, c'est qui quantité de dégâts, c'est qui quantité d'échecs pour voir au public là, yo accumulé. Et nous pral konnen yo, nous pral konnen yo. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue au sous Tank 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un grand plaisir pour nous rejoindre nous, pour nous parler pays, pour nous faire débat sur différents faits qui dominent. Actualité. Avant d'aller plus loin, quittez moi merci pour attention, pour support dans la réalisation du travail. C'est là. Jeudi, c'est une émission qui est tout à fait spéciale. Nous allons dresser bilan, nous allons dresser tableau sombre. Opposition politique, l'en parle, pouvoir public, l'en maintenant, parle. Et objectif, l'en pas là pour détruire, l'en pas là pour favoriser une par rapport avec l'autre. Nous dit exactement qui ça lié, nous dénoncer ça qu'a fait à travers tous deux secteurs. Toute objectivité, sans gueule de bois, sans voix. Jodi an, c'est moment bilan négatif, bien sûr, ou pas seulement gen négatif, gen des bons côtés également. Et bien, dans l'émission de même, déjà invite ou pas rater, parce que c'est l'occasion pour qu'on ait différentes initiatives qui prend ni par bon côté opposition politique, là, ni dans pouvoir public, là, qui ka servi pays, qui ka utile pour contribuer dans le développement sociopolitique et économique en dedans pays. Déjà, je remercie pour écouter, pour attention. Continuez à regarder vidéo, à partager, commenter, liker. Moment arrivé pour nous parler pays, moment arrivé pour nous faire des bails par rapport à bilan négatif autorité l'état yo gen. Les faits sont là, nous pas inventé, n'a dit exactement ça lié. Alors, on y va des micro présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. On y est, pas changé. Question pour nous là, c'est qui est-ce qui a une responsabilité pour porter bon résultat par rapport avec besoin population, par rapport avec gestion, par rapport avec administration qu'a fait en dedans pays. Bien évidemment, question li simple, réponse li doit simple aussi, c'est le pouvoir en place. C'est pouvoir là qui gagne contrôle, qui gagne gestion, qui gagne administration, et c'est eux même qui supposé première ligne, qui en première ligne pour bailler résultat avec besoin population. Et à travers projet, yo, promesse de campagne président républicain fait, que peuple en bâti tout espoir yo sous des réalisations fictives par rapport à résultats concrets qui pas jamais capoté. Maintenant, gen plusieurs domaines d'intervention jodi an qui ka prouvé à clair que bilan négatif pouvoir en place li énorme.
Mais bien avant de rentrer dans la justification du bilan négatif pour vous, il faut que nous apprenions que la politique en Haïti devient un pile monde par rapport à l'impréparation de M. Damio, dans ce qui est pour avec la politique, mais surtout avec l'objectif personnel qui est différent de l'intérêt collectif. Je dis en idéologie, promesse que nous avons dans la campagne, nous avons monté sous pouvoir, ce n'est pas la réalisation ça du tout. Je dis pour nous comprendre la raison principale qui la cause bilan pour vous, est extrêmement négatif. Il faut que nous remontions bien sûr depuis notre période de campagne président, c'est 2 ans de campagne, c'est 2 ans de financement qui coûte un paquet d'argent et qui dit investissement, qui dit campagne électorale, dit bien sûr secteur privé des affaires là, dit des bourgeois corrompus, dit des monde qui influent à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays, qui gagne un avantage, qui gagne un intérêt dans le pays, qui a financé et faut qu'a servi intérêt en retour. Et qui dit servir l'intérêt de petits groupes, c'est condamner majorité population en misère, dans mauvaise gestion, dans extrême pauvreté pour satisfaire l'intérêt de l'autre monde. Eh bien, je dis, il faut que nous sortions dans le mythe politique, ça, dans le rêve de campagne, pour nous garder la réalité par rapport à l'inexistence de réalisation qui gagne dans le pays. Dans différents domaines, nous prenons le bilan négatif. Et premièrement, si nous considérons le facteur premier dans le développement du pays qui t'a donné l'éducation du peuple, est-ce que nous avons dit une véritable contribution qui portait dans le domaine ça? Tout d'abord, si vous cherchez résultat pour un pays, ou pas qu'à baser action gouvernement sur un choix, sur des choix de dirigeants qui de moralité douteuse, parce que c'est premier bagaille là. Choix mine, choix secrétaire d'État, yo important dans l'image gouvernement pour le mettre. Donc, si on tourne du mauvais, c'est sûr que le résultat est pourtant mauvais. Maintenant, c'est qui faiblesse qui gagne l'administration Jovenel Moïse qui empêche le résultat de atterrir. Déjà sur le plan économique, là, bilan négatif, là, le pèse extrêmement lourd. C'est l'échec total même par rapport avec dénaturation, par rapport avec dévalorisation, valeur l'argent local noir, valeur goud noir, qui crée plus déséquilibre économique dans le pays. Il y a un déséquilibre qui profite bien sûr à un petit groupe de monde qui prend contrôle différents marchés, que ce soit marché public, là, système économique et financier, c'est eux-mêmes. Jodian là, c'est qui rôle l'État dans la régularisation de l'économie pays. Et yon un problème principal de l'économie, c'est le déséquilibre marché des changeants. BRH fixe son taux et pouvoir public là, yon pas en mesure vraiment pour faire respecter. Et à qui profite ce déséquilibre? Bien sûr, il y a différents secteurs déterminés qui ont joué de situation ça y est dans le pays. Mais le rôle principal de l'État, c'est faire respecter la loi. Mais l'on n'est pas en mesure pour faire appliquer, pour faire respecter ça la loi dit. C'est tout comme renoncer à pouvoir gain pour contrôler la population. Alors que le rôle pouvoir public, c'est mettre non bon sac pi faible ou pas qu'à camper côté et secteur privé des affaires là parce que moun sa yo ki sa yo fait c'est déséquilibrer économie et Noël jodi an là le fait que l'administration Jovenel Moïse perd du contrôle secteur privé en par rapport avec protection qui ta doit gagner pour consommateurs yo c'est tout comme ou affirmer ou confirmer une mauvaise gestion qu'a fait en dedans pays. Jodi on a pu utiliser service un groupe moun en aveuglette qui gen monopole différents secteurs d'activité dans pays sans ou même ou pas gen aucune garantie. Et si m'bra aller plus loin là, yon nan pi mauvais choix administration Jovenel Moïse en fait c'est réduire toute activité commerciale dans pays avec goudlan avec l'argent noir, l'argent local noir. Non seulement ça facilite corruption mais tout la situation prouve que l'État yon participé dans déséquilibre qui gagne. S'il est vrai que nous pouvons admettre dégradation économique, il y a différents autres facteurs qui contribuent là-dedans, tant qu'une instabilité politique, tant qu'une insécurité qui n'a pas accès pour gagner investissement étranger, qui ne permet pas que la diaspora vienne investir la caillou pour redynamiser l'économie, mais tout, en 4 années de gestion, nous pas jamais joué en stabilité. Promesse de campagne et président Jovenel Moïse qui s'est c'est restructurer l'économie, redynamiser l'économie, créer stabilité dans l'économie. Je dis, nous pas ni on ni là. Nous avons un secteur économique qui finit par décapitaliser la classe moyenne par rapport avec les troupes qui gagnent. Est-ce que nous avons une économie stable? Nous n'avons pas une économie stable. Nous avons une économie qui est basée sur l'importation. Tout ça, nous avons consommé en dedans pays. Les produits de première nécessité, c'est l'importation. Durion bagay moun plus consommé, c'est l'importation. Voilà, nous avons une vallée de l'Artibonite là. Nous avons des paysans qui ont investi dans durie, qui ont fait durie, mais qui ont encadrement rejoint. Qui ont encadrement l'État pour au moins yon redynamiser, yon mettre en avant production nationale. Jodi an yon facteur
qui te ka encore contribuer dans développement pays, c'est production nationale là. Jodi an duri n'a manger n'a porter des millions de tonnes métriques de riz chaque année dans pays. C'est qui niveau exportation nous fait nous-mêmes qui ka contrebalancer et balancer économique là. Exportation café n'a exporté, cacao n'a exporté, ça li pa ka vinn contrebalancer pour nous. Li pa ka contrebalancer jodi an là. Si vraiment nous besoin redynamiser l'économie paysan, c'est faire une politique d'agriculture qui basée vers l'exportation. Et nous gagnons de quoi pour nous offrir à l'extérieur. Nous pas obligé tout ça nous entreprendre dans paysan pour nous mettre un facteur de corruption là-dedans. Tant que question cabrit amélioré yo, des cabrit, petit cabrit qui coûte 20 000 goudes, petit cabrit qui coûte l'état 25 000 goudes. Bah ça va pas faire paysan bien. Eh bien là, si niveau économie en très bas, il y a raison pour ça. Corruption contribue là-dedans, l'instabilité politique là, contribue là-dedans, l'insécurité contribue là-dedans. Maintenant, nous pour avancer, en ce qui a trait à l'éducation, c'est un domaine qui a pris assistance sociale qui pas dans pays qui puis négligé. Parce que nous imaginons, nous depuis son administration Martelly, un grand fonds national de l'éducation qui crée, côté que yo apprend $1.50 sous chaque transfert diaspora fait pour aider l'éducation à progresser, pour aider l'éducation à avancer dans le pays. Mais qui bilan, qui résultat? Je dis la réalité en clair devant nous. Professeur pas qu'à toucher, élève pas qu'à jeune professeur, c'est manifestation toute journée, élève yo a réclamé droit au gain pour jouer une éducation, pour jouer une éducation de qualité. Et gouvernement après gouvernement qui passe en dedans pays, c'est toujours un seul problème. Nous gagnons ministre dans cette éducation nationale là, Jean-Noël Cadet, comme si c'est lui-même qui plus performant, c'est lui-même qui cabaye résultat alors que contestation est portée souvent vers lui-même. Et si n'a pas rappelé nous dans gouvernement avant, n'a pas songé performance Nesmi Maniga t'a baillé. Et changement lipote dans le système éducation, mais qui continuité qui fait? Pas de continuité qui fait avec Agenor. Agenor, c'est peut-être un ministre de l'éducation nationale, pas qu'on est qui a coïncidé avec le pouvoir public, là, mais c'est un monde qui mettait plus de problèmes dans le niveau éducation, je ne dis là. Et comment nous pral prétendre redynamiser le système éducatif là? Si l'élément indispensable, c'est sous contestation. Oui. Je dis là, échec là, c'est pas seulement responsabilité ministre de l'Éducation nationale là. C'est en quelque sorte pouvoir public là qui pas performant. Non choix dans l'action gouvernementale. Je dis, nous besoin qu'on ait exactement qui ça l'administration Jovenel Moïse a réglé avec presque $3 milliards américains chaque année diaspora. Yo prend avec $1.50 là. Maintenant, deux points de vue infrastructurels, c'est combien lycée public, lycée communautaire nous qui répond avec critères pour une bonne éducation dans le pays. Combien lycée qu'on est une bonne bibliothèque, qui a une bibliothèque, qui a un laboratoire informatique, qui a un laboratoire chimique, alors que nous avons enseigné dans différents domaines qui exigent une sortie dans la théorie envers la pratique, pas de encadrement ça. Eh bien là, nous faisons bilan, ce n'est pas pour détruire le pouvoir public là. C'est pour le permettre de comprendre la réalité hein, et découvrir différents services que l'autorité n'a pas baou. Je dis, imaginons qu'on paye pour des services que n'a pas joindre. Et ce n'est pas seulement l'État central là. Nous avons différentes collectivités territoriales, les communes, départements, etc., qui sont censés plus proche population, mais qui en réalité, ils attendent à ce que c'est l'État central qui dit ça pour faire, Jean le fait et comment le fait. Là, il faut que nous apprenions que si le président pas campé de pied ferme pour contrôler vraiment l'institution de l'État, c'est échec après échec qui a pas cumulé en dedans pays. Eh bien, c'est pas sans raison qui fait toujours responsabiliser le président de tout échec administration là, parce qu'il est le garant des bonnes marches des institutions. Bien c'est pour lui, mal c'est pour lui. Maintenant, si vous prenez plaisir seulement dans valider mauvaise gestion qu'a fait en dedans l'État, ça c'est vous-même qui connaissez. Ça c'est bilan négatif ou tout à préparer. Et je dis là, tellement de différents projets dans le pays, dans tête l'État qui controversé, ou vient trouver nous en situation côté que presque soit carré non bien son mal, parce que c'est toujours surfacturation, c'est toujours corruption, c'est toujours violation qui gagne, non un souci pour faire développement, li pa ka kon sa. Et à chaque scandale de corruption qui gagne, c'est un point en plus qui pour dou gros bagay qui pa marche dans pays, gros bagay qui pa marche dans administration Moïse. Président Jovenel Moïse, jounen jodi an la, li traîne d'elle un scandale Petro-Caribe parce que lui-même tout en tant que PDG de Agritrans li impliqué. Et différents autres entreprises qui gagne tout impliqué dans scandale corruption. Mais ça n'a pas empêché le président. Et non plus, ça n'a pas sorti dans lui-même parce que
c'est pas Wally pour le Vinzi qui était coupable de tel bagaille. Aspiration, c'est arrivé président de la République. Maintenant, c'est l'institution l'État qui pas joué rôle d'enquête, qui pas enquêté sous personnalité politique, qui a participé dans la course électorale. Maintenant, par rapport à tout scandale qui gagne sous l'administration, qui relie pouvoir public avec corruption, bilan négatif, là, un seul élément dénominateur, je dis, c'est corruption. C'est corruption qui implique pouvoir public, là, c'est corruption qui implique opposition, c'est corruption qui implique secteur privé et différents autres, même dans la société civile. Là. Ça a gagné plusieurs années de corruption, de surfacturation, qui a coûté contribuables haïtiens ou des milliards de dollars, nous tendons là avec dossier sous général. Là. Gen scandale de corruption, de favoritisme, qui implique yon firme, je ne jodi an, qui a fait code de malog là. Nous gagnons scandale et corruption dans le dossier location hélicoptère avec Chérif Abdallah, qui décapitalise l'État dans la question de Zamita au profit d'un groupe monde qui a fait l'argent, alors que l'État a décidé de décider de même acheter un hélicoptère. Et bien là, nous devons comprendre que favoritisme, non, il y a à tous les niveaux de l'État. Et moun qui fait le plus souvent, c'est moun qui l'a pour protéger la majorité. Hein? C'est moun qui t'a censé là pour protéger l'intérêt collectif. Là. Mais non, il a détourné l'intérêt ça, dans l'objectif pour yo kembe pouvoir yo, pour yo satisfaire zanmi yo, pour yo satisfaire intérêt personnel yo par rapport avec relation, par rapport avec moun qui était loyal avec yo dans période électorale, dans période de campagne. Maintenant, si nous parlons de bilan négatif et puis pour nous tablier quantité de violations qui ont fait en dedans pays sous différents droits, liberté, monde, ça aurait été partisan parce qu'on pas qu'à dénoncer pour dénoncer avec réserve. Et je dis là que différents droits, tant que droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'état de droit, liberté de mouvement, de circulation, c'est pas qui pas garanti en dedans pays. Je dis en poser cette question par rapport avec droit à la vie. C'est qui dure de vie en haïtien par rapport avec phénomène insécurité. Hein? Nous avons droit pour nous gagner sécurité lorsque l'État pas en mesure pour le garantir. Non, yo pas réagi par rapport avec phénomène banditisme, par rapport avec phénomène de sécurité. Hein? Et nous, well, au lieu que yo réagi, au lieu que yo pose des actions qui proportionnelles, yo préfère rentrer dans une logique de dialogue. Qui s'acrive? Son malade qui simple. Tout pays, je dis, la cap fonctionner, c'est par rapport à la régularisation qui fait dans différents secteurs. Yo. Système politique régularisé, système économique régularisé, système social régularisé. Eh bien, je dis, là, malgré que nous avons des lois cadres dans chaque domaine, ça arrive premièrement. Ok, nous avons une loi, par exemple, qui crée, et nous, dans la Constitution même, nous prévoit conseil constitutionnel. Côté, est-ce qu'il existe? Non. Nous gagnons un conflit par rapport avec le mandat président Jovenel Moïse. Si jounen jodi an, nous avons un conseil constitutionnel, cour constitutionnel là, il y a tranché et rapidement conflit ça t'a bon terme. C'est de même il y a l'autre institution, il y a l'autre loi qui crée des institutions côté institution yo, dans la réalité, yo pas prendre naissance, yo pas prendre corps. Et tout ça c'est des éléments qui ca contribuer dans échec administration dans un pays. Et bien, imaginez nous par exemple, jodi an la qui régularisation qui gagne dans système santé dans pays, hein, que de point de vue public ou bien privé. Et le pire dans secteur privé, hein, jodi an gagne l'hôpital pour aller dans pour aller prendre soin, faut gagner près de 25 000 goud pour bail. Et ça, son frais de basier par rapport avec tout l'autre l'argent, pral mando pour dépenser. Et si vous n'avez pas gagné, malchance pour vous n'avez pas gagné, ou garantie ou pas besoin de soins, ou garantie ou à mourir. Si situation est en son situation qui est pour vous sauver rapidement. Et voilà, malgré les différents cas qui présentaient. Autorité l'État n'a pas jamais avancé, n'a pas jamais fait aucune approche avec le secteur privé, ça, qui a contrôlé la santé dans le pays, pour dire voilà, voilà, mais qui régularisation qui fait, mais comment on a porté assistance sociale, nous, mais comment on a payé, par exemple, et 10% dans les frais pour la population, les gens qui viennent inscrire, les gens qui font ceci, les gens qui font cela. Pas grand régularisation, pas grand encadrement. Et dans même centre hospitalier public, on a gardé quantité de problèmes qui viennent. Tout récemment là, sont gen gros scandale dans Justinien au Cap, gen gros problème dans l'hôpital général Bordeaux-Prince, gen problème dans l'hôpital universitaire La Paix. Son ensemble de problèmes, bon peut-être seul l'hôpital qui a fonctionné plus ou moins dans le pays, c'est Mirbalè. C'est Mirbalè qui a fonctionné plus ou moins. Mais on explique tête, nous on dit tête, nous, si nous au pays, côté que système santé en li précaire, qui vit ou vive? Et nous kawel majorité moun ki gen problème nan peyi a jounen jodi an ki kote yo ale.
Moun ki gen minimum moyen yo choisi en République Dominicaine, yo choisi en Cuba, non seulement par rapport avec niveau gravité kayo a, mais tout par rapport avec confiance sur parfait système santé en dedans pays a. Mais gros le problème qui pi grave tout par rapport avec système santé en dedans pays a. Jodi an la gros ensemble d'université, gros ensemble de centre université qui a formé médecin, qui a formé infirmière, qui a formé spécialiste en laboratoire. C'est des universités, c'est des centres universitaires qui pas reconnu par le MEF. Yo pas reconnu. Yo pas rempli conditions pour yo tabay yo et certificat pour yo tabay yo licence de fonctionnement. Voilà. Le monde ça yo fin formé, yo fin prend formation et pourtant de yo lagué yo sous béton sans que ministère la pas reconnaître yo. Yo fait faux diplôme, faux certificat ba moun sa yo. On pas qu'être charlatan dans la rue. Yo. L'État pas en mesure contrôler, ou pas en mesure pour yon même connaître qui quantité yon est. Donc là, son danger public. Et puis grave qui est dans la situation, ça, par contre, si nous réalisons dans la rue, surtout dans le bus, yon, des séries de moun qui a vendu médicaments, qui a fait marketing, ok, moun qui a cherché la vie, bon, ou qui a vendu, bon, ou a fait marketing, vendu pâte, vendu savon, vendu parfum, ok, pas de problème. Mais dis-moi, moun qui a vendu médicaments. Qui dosage qui est sous médicament? Médicament nous fait, est-ce que Haïti? Est-ce que là, à part de 4C, de Profalab avec l'autre et institution qui est responsable de médicaments de santé dans le pays, nous n'avons pas qu'un l'autre amateur qui a fait médicament, qui a fait comprimé, qui a fait sirop, qui a vendu le monde? Système santé à part, j'en dis un mot. Moi, je suis toujours attendu à ce que tu aies réagi, que tu aies empêché que ce marketing n'a bus qu'à vendre comprimé, qu'à vendre ceci, qu'à vendre cela. Tu n'as pas jamais fait. Est-ce que tu connais combien de monde qui quantité de monde qui mourit par rapport avec et pratique? Ça, tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu parce que tu n'as jamais choisi camper, tu n'as jamais choisi stopper. Maintenant, nécessité est tellement énorme par rapport avec défi qui gagne devant l'administration Jovenel Moïse pour au moins pas régulariser, pour au moins pas stopper. Yo pas jamais fait quoi que ce soit et tout ça yo pas contribuer dans positif, yo contribuer dans des éléments négatifs, des éléments néfastes qui dangereux pour population haïtienne, qui dangereux pour peuple. Je dis là même j'ai économie, même j'ai avec éducation, nous pas un système de santé en dedans pays. Et par chance là nous avons Covid là pas terrasser nous, Dieu nous en préserve. Mais c'est pas plus bon nous plus bon. Et si ça t'arrive Covid là t'as fait l'argent payer, nous t'as saisi ouais qui bilan nous t'as gagné en termes de mort, en termes de chiffres. Mais je dis là que nécessité pour nous admettre que bagay qui pas fonctionner dans pays et même là t'as un proche pouvoir, là t'as un fanatique zélé de pouvoir public là de régime PHTK, l'attendre, l'regarder quand tu te dérives qu'a fait faut dire oui. Faut dire oui que bagay ki pa mache. Faut dire oui dans domaine santé y a pas gen avancement. Faut dire oui dans domaine éducation pas gen avancement, pas gen développement qui fait vrai. Faut nous commencer à admettre réalité dans vivre là pour nous comment nous ka sorti là-dedans. Li important. Bilan yo aussi négatif, yo aussi lourd. Jodi an la, si n'a parlé de positif, n'a joué une bagay positif pour nous dire que pouvoir PHTK régime et Jovenel Moïse en fait. Oui, président gen des initiatives, li prend de très bonnes initiatives qu'a aidé pays à avancer, mais ça pour li nan négatif, faut nous balil. Et faut nous balil par rapport avec inaction, faut nous balil par rapport avec incertitude yo gen dans gestion pays. Jodi an mauvaise gestion fin gangrené pays, corruption fin gangrené pays. C'est surfacturation, c'est dilapidation, c'est vol, c'est détournement de fonds publics. Nous joignons des autorités de l'État qui participer là-dedans. Pas de contestation. Jodi an, nous avons une administration publique. Côté que les gens qui sont en tête, c'est des gens qui n'ont pas de crédibilité, qui n'ont pas de honnêteté, qui n'ont pas de probité. Ils ont trempé dans toutes sortes. Ils ont contesté dès le départ, mais ils sont toujours là. Avant tout, symbole de la bonne gouvernance, il doit passer dans le reflet dirigeant, dans le reflet autorité de l'État. Parce que comparativement à ce pays, et tout le monde qui est dans l'administration, la majorité des gens qui sont dans le gouvernement, c'est des gens qui sont impliqués dans la corruption, des gens qui sont impliqués dans le détournement de fonds, des gens qui sont impliqués dans l'assassinat, dans le massacre, dans le viol, dans le vol, dans l'assassinat, etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un reflet ça pour l'administration. Je dis à la, il y a plusieurs contestations qui font sur l'usurpation de type différents moun administration Jovenel Moïse là, yo prend des titres que yo pa gen mais a utilisé yo pour l'histoire et pour la vérité.
yo te cité non mini justice comme moun qui pa gagné licence qui pa fait droit vraiment mais qui dit l'avocat qui dit son juriste alors que recherche de la vérité elle pas jamais vraiment suscité un intérêt. Tout le monde fait un jeu sur ça, ou pas besoin de compte si c'est menti, si c'est vérité, parce que le monde qui peut connaître la vérité, il connaît déjà. Mais nous ne pouvons pas prétendre à faire pays comme ça. Nous ne pouvons pas faire pays comme ça, nous faisons tout le bagage sauf pays. Et bien, je dis là, la recherche de la vérité, c'est important pour nous étayer les faits, c'est important pour nous solidifier le pouvoir. Là. Et bien, je dis là, que c'est ma rouille politique, que c'est ma rouille économique, que c'est absence d'assistance sociale qui n'a pas gagné dans le quartier défavorisé pour marche populaire. Yo. Et bien, je dis le plus important pour nous centrer nous sur le bilan négatif qui gagne par rapport avec l'action gouvernementale. Parce que les gens qui ont pour les résultats, les gens qui ont les clés dans les mains, qui ont le monopole dans les mains, ils ont ces pouvoirs. Donc, ils supposent prendre toutes les mesures qui s'imposent, ils supposent agir en conséquence, mettre à la hauteur pour faire travail population. Ce n'est pas seulement visager ensemble de dérives opposition politique la faire. Parce que c'est clair que sa opposition politique la fait comme dérive, comme entrave avec bon fonctionnement paysan. Si pouvoir public la veut gérer, il gère aussi rapidement, aussi vite que possible. Parce que pièce pour ne pas venir cacher un statut de démocrate, d'ailleurs, la démocratie n'a pas permis pour théoriser la population, pour faire violence, pour inciter les gens à bouler, à faire violence, à craser, à briser, sous prétexte pour revendiquer pour un intérêt collectif, ou pour revendiquer et arbitrer, ou pour revendiquer illégalité. Non, la démocratie n'a pas arrivé jusque-là. Maintenant, tout le monde qui rentre dans un cadre d'infraction, dans un cadre de violation principale, légal yo supposé réagir contre eux-mêmes. C'est ça n'a pas tant qui pour mener nous vers un pays, vers la reconstruction de la démocratie, vers ça nous relier l'état de droit. Est-ce que aujourd'hui on a bien courage pour nous parler de souveraineté, de état de droit, de principe démocratique alors que tout ça nous fait c'est violer valeurs démocratiques, c'est violer normes légales. Mais bien aujourd'hui là, seule façon pour nous restaurer bilan négatif, là, c'est de faire ça bon. Faire ça bon, c'est moi qui t'ai corruption derrière, c'est moi qui t'ai détournement de fonds derrière. Et d'ailleurs, le président de la République te dit là, pays, s'il y a 5 problèmes, c'est corruption, corruption. Parce que corruption lié à tous les niveaux de l'État, lié dans le système économique, là, lié dans le système politique, là, lié dans le système financier, là, 61 c'est lui-même. Donc, à tous les niveaux, tout côté passé dans le pays, on confronté avec phénomène corruption. Eh bien, je dis à là, faut commencer à avoir des exemples qui tracent. Faut qu'il y ait un aboutissement qui joue par rapport avec mon qui a fait dilapidation, par rapport avec mon qui a participé dans la corruption. Faut qu'un exemple tracé, faut que mon ça ait traîné devant la justice pour punir. C'est ça qui base solide. C'est justice qui base solide dans le pays. Et d'ailleurs, si le système politique participe à déstabiliser le pays, il participe à contribuer largement à l'insécurité dans le pays. Donc, il faut que nous ayons des autorités de l'État qui en mesure même pour porter des réponses, qui posent des actions, qui prennent contrebalancer l'insécurité, qui prennent contrebalancer la corruption. Mais jusqu'à date, nous pouvons jouer une réponse à ça. Pas de réponse convaincante ça qui baille, mais l'administration Jovenel Moïse là, li sous 5e année, li sous dernier, li sous fin mandat li. Combien proche pouvoir là nous de qui implique dans infraction, qui implique dans bamboche, dans gargote. Ou j'entende gon avance qui fait dans procès, dans jugement, dans plainte qui porte contre moun sa yo. Jamais. Eh bien réponse qui pour contrebalancer journée jodi an. Si administration Jovenel Moïse décide de sortir la tête haute après 5 ans de mandat, là, faut qu'il y ait un bilan positif. Et bilan positif, ça, yon pas qu'à passer. Yon pas qu'à passer si pas qu'il y a des réponses qui baillent avec problème et sécurité. Yon pas qu'à passer si pas qu'il y a des réponses qui baillent avec phénomène. Corruption qui implique différents dignitaires, je dis. Des proches du pouvoir, yon implique même première dame. Nan. Donc, il y a des réponses qui doivent baillent, il y a des réponses qui doivent jouer. Est-ce que l'administration Jovenel Moïse prend en mesure pour porter réponse? Est-ce que son l'autre administration qui a venu qui prend l'entame pour ses substances en reddition de compte là? Nous pas connaître. Mais en attendant, nous là pour dénoncer ça, supposé dénoncer ça, doit dénoncer en toute objectivité. Et n'a fait travail là sans garder derrière. Parce que peuple haïtien supposé joindre un break,
Nous supposons que nous avons dans vol, dans viol, dans assassinat, dans détournement de fonds publics, dans corruption qui implique Rosy Ilterio, qui implique les proches du pouvoir, qui implique les hommes forts de l'opposition politique, qui implique les hommes forts, les hommes influents du secteur privé, les affaires. Nous supposons que nous avons sortir dans sa nièvre parce que le pays n'a pas continuer comme ça. Et peuple en lui-même, il n'y a pas qu'à pour longtemps comme ça. Donc là, il faut que nous bougeons, nous, faut que nous motivions, nous, faut que nous réactifs par rapport à différents problèmes que pays a fait face. Problèmes structurels, yo là. Et nous identifions les facteurs, nous identifions les raisons qui la cause. Journée aujourd'hui, c'est bilan négatif sous négatif qui baille pour différents secteurs dans le pays. Alors que toute sa population en mandé, c'est investissement. C'est avancement, c'est développement, c'est restructuration, mais pas en mesure pour faire. Maintenant, pendant seulement là, aujourd'hui, on a parlé de bilan négatif. Il y a des initiatives qui prennent, qui a félicité, qui louent. Faut que nous parlions de tout. Abouti ou pas, yo existé. Faut que nous permettions à ce que le public prenne connaissance de eux-mêmes et juge de par eux-mêmes est-ce que le cas profitable pour le pays et qui raison qui la cause n'est pas abouti et qui raison qui la cause le pays n'a pas profité de lui, la population haïtienne n'a pas profité de lui. Eh bien, déjà là, dans l'émission 2, mais on m'invite au vin apprendre, qui initiative qui prend pas bon côté secteur opposition politique là, qui initiative, qui réalisation, qui bilan positif, qui gagne pas bon côté pouvoir public là, vin konne qui ça a été entreprendre. Que yon abouti ou pas, que yon fait ou pas, vin konne. Ge bagay pou konne. Et en tant qu'haïtien, en tant que contribuable, ou supposer qu'on ça cap régler en dedans institution l'état, ou supposer qu'on est qui initiative gouvernement prend, qui projet au gain, qui projet exécuté, qui projet pas fini exécuté, bala yo la faut qu'on est yo. Donc déjà par la émission, soit émission cap tout à fait intéressant, soit émission cap grand pile bagage là-dedans. Donc paratel sous aucun prétexte. Principe là li pas changé, continuez partager vidéo, quittez un commentaire, quittez un like et surtout partagez-la avec tout contact. Rendez-vous en li casse pour demain dans même l'heure des micro présentations, c'est toujours même Yannick là même voix. Rien pas changé. Merci tout le monde, à la prochaine. Bien informé avec Yannick. Même Yannick l'en même voix. Rien pas changé.